Bonjour à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui sur UFC Export. Et oui, le jeu que j'ai décidé de principaliser sur ma chaîne. Alors oui, effectivement, j'ai dit que je principalisais code, après j'avais dit Garry's Mod. Quand on est youtubeur, c'est ça. On essaye toujours de chercher ce qu'on veut vraiment faire. On essaye ci, on essaye ça, ça plaît pas, ça fait. Faut vraiment tout essayer sur YouTube. On est un monde où faut tout tester. Si tu testes pas, tu sais pas si ça va te plaire ou pas. Donc voilà, moi je suis déterminé à vous faire des vidéos sur UFC. Donc je vais expliquer les raisons qui me poussent à principaliser ma chaîne de façon sûre sur ce jeu. Donc maintenant sur ma chaîne, il n'y aura que du UFC, du WWE et du GTA. Pourquoi UFC, vous êtes en train de me dire? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je reçois, donc, de manière générale, le catch, on est d'accord, il y a plusieurs raisons. Le catch, c'est du fake. Pour moi, c'est pas du fake, c'est du vrai. Mais beaucoup disent que c'est du fake, du coup, voilà, c'est une des raisons qui m'a poussé à faire sur UFC. En fait, il y en a plusieurs. Je vais commencer par la base. Je suis un youtubeur de catch depuis longtemps. J'ai remarqué une chose récemment parlant, que j'aimais beaucoup énormément commenter. Je prends même plus de plaisir que GTA. Je prends énormément de plaisir. C'est pas ça le problème, mais je prends toujours plus de plaisir à commenter le catch. Et je me suis rendu compte que j'aimais énormément les commentaries de combat. Et je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est que tout ce qui est Tekken, Street Fighter, dessin animé, machin, tout ça, enfin tous les trucs, Tekken et tout, je peux pas. En revanche, les vidéos de catch, moi c'est vraiment les combats avec des humains et tout, quand ça donne, quand ça claque et tout, les prises peuvent venir de n'importe où, voilà, c'est pour moi c'est ça qui est réellement beau dans le sport combat. Et c'est ça, c'est vraiment cette raison qui m'a poussé à me lancer dans le UFC. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup, voilà, comme ça sur ma chaîne, il y aura du catch. Pour ceux qui pensent que c'est faux, voilà, moi je pense que c'est vrai. Pourquoi? Déjà, le catch, vous voyez, la plupart des catcheurs sont surentraînés. Tu rentres pas à la WWE comme ça en claquant des doigts. Tu dois prouver énormément de choses comme l'UFC. D'ailleurs, quoique l'UFC c'est un peu plus ouvert, je pense. Mais la WWE est assez fermée vu que faut être bon comédien. Faut faire. Et y a, le catch c'est du spectacle donc il y a énormément de choses en arrière. Donc là, je parle beaucoup hein, avant de vous parler de cette vidéo. Elle risque de durer longtemps cette vidéo sur UFC, mais ça me permet de dire tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vais juste baisser. Pardon, je vais baiser. Allez, c'est parti, Fabrico, Wardum, je te connais pas, mais c'est parti. Non, je déconne. Donc voilà, pour rester concentré, donc il y a cette raison de commentaire sur les vidéos de sport, enfin de combat, mais vraiment du vrai combat. Et dans le combat, quand on parle de combat, on pense énormément à l'UFC. Et aussi pour ça que j'ai décidé de principaliser ma chaîne dessus. Donc voilà, pour ceux qui disent que c'est du faux, le catch pour moi c'est du vrai. Si tu fais mal une prise, le mec peut se faire extrêmement mal. Donc dès que tu montes dans un ring, c'est vraiment dangereux. Ce serait pas dangereux, honnêtement, toutes les blessures, Roman Reigns, Daniel Bryan, tout ça, ce serait du mytho. Mais c'est du vrai, quand ils se blessent vraiment. Ils sont absents, ils subissent des opérations, tout ça. C'est vraiment réel. Mais bon, voilà. Maintenant, deuxième raison pour qui m'a poussé à me tourner sur l'UFC. Brock Lesnar, CM Punk, Bobby Lashley, The Animal, Dave Bautista. Ces quatre superstars ont connu, CM Punk prochainement, mais si on le reste, Brock Lesnar a déjà été UFC champion. Voilà, c'est des catcheurs qui ont déjà été dans ces fédérations-là et qui connaissent bien les coups de poing, bien la maîtrise de différents arts martiaux. Et ce qui est bien avec l'UFC, c'est que il y a plein d'arts martiaux différents, ce qui fait qu'on a des coups vraiment de différents. Chacun a des prises, des façons de porter les gens différemment et tout. Et c'est ça pour moi qui est vraiment merveilleux. C'est ce qui me pousse aussi à me tourner vers l'UFC. Mais bien évidemment, il y aura toujours plus de WWE que UFC. Mais voilà, UFC, ça va aussi être principalisé sur ma chaîne. Donc, j'aurai peut-être 2 vidéos UFC par semaine, plus 3-4 vidéos de catch, plus une vidéo GTA. Voilà, je pense que je vais avoir une organisation comme ça. Plus quand, alors là, je ne sais pas encore comment je m'organiserai quand il y aura le mode carrière et le mode univers que je ferai sur 2K16. Mais il y aura toujours autant d'UFC, ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment déterminé. Donc, je vous invite tout de suite maintenant, avant de continuer à parler et tout, parce que ça va être long, dans les commentaires de cette vidéo, de me proposer vos matchs. Donc, avant de me proposer, on va faire le tour de tous les poids lourds, poids légers, etc. La raison principale pour laquelle je suis sur le menu. Vous pourrez me proposer plein de matchs différents et variés. Surtout si vous êtes fan de UFC et que vous en connaissez déjà plein, je vous invite à tout m'expliquer. Si vous jouez à mieux que l'UFC que moi, parce que moi je débute encore, là je joue quand même en difficile, pas en pro mais en difficile, et voilà, j'ai fait des petits tutoriels juste avant et tout. Hier soir aussi j'ai réussi à battre qu'une seule personne, je suis mort 5 fois, j'ai réussi à battre un mec avec un punch énorme final, boum, c'était en pro.
Mais en difficile, j'ai du mal, mais j'arrive à placer un peu plus de coups. En pro, tu places rien du tout, il esquive tout, il te balaye, il te respecte pas. Laisse tomber, c'est la galère. Mais voilà, comme ça, sur ma chaîne, il y aura du vrai et du faux. Pour ceux qui disent que les gars, c'est du faux, voilà, il y aura du faux et du vrai. Il y aura des vrais coups et l'autre où ce sera plus du. En fait, il y aura l'UFC où c'est vraiment sur les vrais coups et tout, vraiment bien, pas de. Voilà. Et le catch, le spectacle, les prises de dingue et tout. Voilà, vous serez vraiment servi, on va dire, à ce niveau-là. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux présentations. Alors, nous avons Cain Velasquez. Ensuite, Fabricio Werdum, celui que je devais baiser. On a ensuite André Arlovski. On a Pat Bowie. On a Travis Brown. On a Mark Coleman. On a Daniel Cormier. On a Junior Dos Santos, on a Mark Hunt, on a Brock Lesnar. Bon là, je m'attends à Brock Lesnar. Hein. Steve Miocic, on a Frank Mir, oh lui je l'aime bien. Lui. Roy Nelson, on a Minotauro Nogueira, on a Alistair Overeem, on a Antonio Silva, on a Cain Velasquez. Et voilà, c'est reparti. Ensuite, on a en poids lourd léger, John Jones, Chuck Liddell, Lyoto Machida, Gegard Mousasi, Antonio Longello Nogalegada, oh le con, Shogun Rua, Anderson Silva, Wanderlei Silva, putain mais qu'est-ce qu'ils ont avec les Silva, merde, ça me rappelle William Silva, Shane Sonnen, Glover Teixeira, Ryan Bader. Pour votre information, William Silva, c'était le nom de la superstar que j'avais créé pour ma carrière dans WWE 2K15. Bah justement, le mode carrière que j'ai stoppé pour des raisons que j'avais déjà expliquées, donc j'ai la flemme de réexpliquer. On a Victor Belfort. On a Michael Bisping. On a Daniel Cormier. On a Phil Davis. On a Rashad Evans. On a Rich Franklin. Franklin, il a trop regardé Franklin, sa mère! Forrest Griffin, on a Alexander Gustafsson, oh putain, Dan Henderson, on a Rampage Jackson, comme Michael Jackson, Anthony Johnson, John Jones, et là c'est reparti, Chuck Liddell, Lyoto Machida, Gay, ouais, c'est reparti. Ensuite, on a poids moyen, Chris Weidman, on a Victor Belfort, on a Michael Bisping, on a Francis Camon, on a Nick Diaz, on a Rich Franklin, on a Royce Gracie, on a Dan Anderson, Tim Kennedy, Robbie Lawler. Non, c'est pas Mr. Kennedy. C'est aucun rapport. On a Chung Lee, un japonais. On a Lyoto Machida. On a Demian Maia. On a Gegard Mousasi. On a Mark Munoz. On a Costas Philippou. Donc, si vous retrouvez les mêmes, c'est parce que justement, c'était poids moyen léger. Là, c'est poids moyen. Donc, pour ça. On a Luke Rockhold. On a Yoel Romero. On a Anderson Silva, on a Wanderlei Silva, on a Jelson Hayn, Ronaldo, Chris Weidman, Victor Belfort, je crois qu'on revient au début. Ok. Poids welter, on a Robbie Lawler, on a. Acheter le plug dans. Ah, celui-là, hey, je vais l'acheter, c'est obligé, je vous le dis. On a Hector Lombard, on a Rory McDonald. Oh putain, on a trouvé le frère de l'autre là. Comment il s'appelle? Ronald McDonald, c'est son ref. Dona Demian Maia. On a Gunnar Nelson, je vais essayer aussi d'ailleurs de voir s'il n'y a pas un truc genre communauté pour télécharger des trucs marrants, mais je pense pas. On a BJ Penn, on a Mike Pyle, on a Tarek Seidfeld, oh je viens de cracher sur le micro, oh putain il a pris cher. On a Georges Saint-Pierre, ça c'est obligé, c'est un français ça, les noms comme ça de merde. Monsieur Saint-Pierre, t'imagines, attends je fais une prière avant de boxer. Tyron Woodley, Matt Brown, on a Carlos Condit, on a Nat Diaz, on a Nick Diaz, on a Jack Hellenberger. Il a mangé trop d'hamburgers. On a Johnny Hendrix. Hendrix, comme les guitaristes là. Matt Hug. Mais il y a trop de noms de famille connus. Martin Kopman. On a Josh Kung. Pascal, le grand frère. Non, je déconne. Pascal Gross. Rowie Lawler. Bruce Lee. Et on revient au début. Ensuite, poids léger. Anthony Petit. Diego Sanchez. John Thompson. Jose Aldo. Eddie Alvarez. Donald Cannon. Michael Chiesa. Nate Diaz, Rafael Dos Anjos, Frankie Edgar, TJ Grant, Clay Guida, Benson Henderson, Chan Chun Jing Jing Chong Chong, Mike Joey, Joe Lawson, Bruce Lee, ok super, il faut que je débloque aussi, Joey Alonso, Dominic Cruz, Frankie Edgar, Urijah Faber, Clay Guida, il a un petit côté Woman Ways juste avant, Jen Jung 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 Jung, Ricardo Lamas, Bruce Lee, Conor McGregor,
McGregor, Shawn Mendes, BJ Penn, Dustin Poirier, Dennis Stever, Cub, Swanson, quoique je me moque de leur nom, je suis devant eux, je pisse sur moi. José, Dominic Close, Frankie Edgar, Uri J. Faber, Clay Guida, bon, on revient au début. Poids Batman, Poids Ban Bantam, pardon, ou Batman, oh putain. TJ Dillashaw, Mike Headstone, Urijah Fiber, Demetrius Johnson, Bruce Lee, on l'a pas, Michael McDonald, Takeya Mizugaki, Eric Perez, Brad Pickett, oh putain, on dirait Adolf Hitler, Eddie Wineland, Renan Barao, Brian Bowles, Dominic Cruz, TJ Dillashaw, je crois que je l'ai refait, Mike Headstone, Irija, Dimitrou, machin, ok, c'est moi, je l'ai refait. On a Mouche, Poids Mouche, Demetrius Johnson, on a Scott George Jensen, on a Ryan McCall, on a Darren, oh là là, on a Joseph Benavidez, on a John Johnson, on a Timothy Elliott, wesh, ouais, on lui a mis de la peinture ou comment ça se passe? Et Louis Godino, on a Demetrius Johnson, Scott Jorgensen, Ryan McCall, bon, il y en a que je présente deux fois, c'est pas grave. Ok, ensuite on a Poids Battement de Femme. Oh les gars, on la connaît ça, la Ronda Rousey, qui d'ailleurs aimerait être à la WWE. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous le savez maintenant. On a Miesha Tate, on a Kat Zingano, Stephanie McMahon, non je rigole, Liz Carmouche, on a Alexis Davis, on a Holly Holm, on a Sarah Kaufman. Ouais, bon, Kaufman, elle coiffe des hommes. Ok, bon, elle met des. Oh la coquine. Elle met des hommes dans des coffres pour les. Oh là là. Sarah McMahon. Ronda Rousey, ok, ça c'est bon. Et enfin, poids lourd, c'est reparti. Donc voilà les amis, maintenant que la présentation sont faites, je vous invite tout de suite à mettre dans les commentaires la superstar, la superstar, le boxeur, le combattant que vous voulez contre quel combattant. On peut appeler ça les superstars, hein, c'est des stars quand même. Le combattant que vous voulez contre le combattant, en mettant si possible que vous pensez à mettre poids lourd et tout, me préciser parce que j'en connais aucun. Je connais que quelques trucs, genre takedown et tout, donc je vais avoir du mal. Donc je vous invite vraiment, ceux qui s'y connaissent dans ce jeu, à me donner des conseils. Et on est parti entre eux. Mais c'est évident les gars que je prenne cet homme. C'est évident, il est où? Il est où? C'est le seul que je connais. Ah, Brock. Non, 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 attends, 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 attends. Brock Lesnar, on va faire contre. Contre Frank Mir. Contre Frank Mir, c'est obligé que je fasse les deux. Et moi je mets à gauche, je suis Brock Lesnar, donc difficile synchrone. Et on est parti! Et mesdames et messieurs, ce match va opposer Brock Lesnar à Frank Mir. Et c'est parti tout de suite, venu tout droit de Los Angeles, NVUSA. Please welcome Frank Mir, accompagné de ses deux bulldogs derrière, un crâne chauve et un chevelu. Ouais, baby! Je suis trop content. Frank Mir qui est en train de se faire observer. Alors, un habitué du jiu-jitsu brésilien. Il n'a pas des bonnes pattes, il a des fausses pattes, c'est-à-dire il a des pieds super balèzes et il a gagné 16 fois en carrière. Et bon, je reprends ce que je vois. Hein. J'ai en UFC, je m'y connais pas beaucoup, je regarde que de temps en temps encore, c'est rare. Mais voilà, j'ai toujours kiffé les vrais combats. Et là, franchement, ce match risque d'être énorme. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes chauds devant votre écran. Frank Mir, Brock Lesnar, dans une cage, mesdames et messieurs, enfermé. Aucun ne peut s'évader. Bon, là, c'est pas un steel cage match non plus, mais quasiment. Oh là! Ouh là 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 là, accompagné de Paul Heyman ou pas? Oh oui, s'il te plaît, Paul Heyman, accompagne-le, s'il te plaît, ma gueule. Oh, oh, mesdames et messieurs, here comes the pain. On n'est pas à la dabi-dabi, mais je fais comme si on était à la dabi-dabi. Venant tout droit de West Nobori, ouh là, j'allais péter un plomb. Mesdames et messieurs, the best incarnate of the WWE and of the UFC. Un de mes catcheurs préférés à la fédération, donc je pense que là, je vais vraiment prendre un gros kiff à le contrôler. Mesdames et messieurs, please welcome the best, the Paul Heyman best, Brock Lesnar. Oh my god! Et la Frank Mir. Va falloir tout donner face à cet homme, the Beast Incarnate. Brock Lesnar is present to the ring. Mesdames et messieurs, Brock Lesnar, Frank Mir. Alors, Brock Lesnar a 37 ans, 35 ans pour Frank Mir. 1m91 et 1m80. Ils font quasiment le même poids, la même taille.
Et c'est notre main event, mesdames et messieurs, avec un arbitre, Mario Yakimasaki. Comme d'habitude, c'est le même arbitre depuis UFC 2009, s'il te plaît, hein. Oh. Allez, c'est parti. Oh, c'est parti. Regardez les trois supporters derrière Frank Mir et Brock Lesnar qui a aussi ses supporters de son côté. Et. Saka! Vas-y, il m'a tout niqué lui, il m'a tout niqué. Le mec, il a fait la triple H dans la DX. Regalen Saka! Il a fait. It's time! Ok, vas-y. Il nique tout. Bon, je vais laisser les présentations. Et on accueille Frank Mir, venu tout droit de Las Vegas, mesdames et messieurs. 1m91 pour 109 kilos. Oh my god, regarde-moi ça. Oh qu'il est chaud. Oh qu'il est chaud, il est concentré. Regardez-moi ça. Elle est tatouage, Frank Mir. Tu peux les enlever, la merde, quoi. Il a mis quoi derrière son tatouage, c'est quoi? C'est des cages, frère. Le mec, il a pété un plomb. Il a mis des cages derrière son corps. Et le. Oh putain. Ah non, c'est quoi derrière? Ah, mais lui, il a des délires. Il est vraiment chelou au niveau des tatouages, hein. Eh, déjà, tu vas arrêter de la péter, tu vas baisser les bras. Ah, t'es côte bout de ta cul, t'es. Oh, oui, mesdames et messieurs, 1m91 pour 120 kilos. Mesdames et messieurs, il vient tout droit de Webster SD USA. Carte SD. USD. Je sais pas. Mesdames et messieurs, The Beast Incarnate, Brock ancien champion UFC, mesdames et messieurs, qui fera peut-être son retour, pourquoi pas, à l'UFC, ce serait mortel. Et bientôt, j'espère que s'il rachète. Franchement, là, je suis vraiment déterminé à faire des vidéos dessus. Et je pense réellement, vraiment, là, je vous dis sincèrement, s'il sort un autre UFC, j'espère qu'il y aura CM Punk. Et là, je peux vous dire qu'on fera des matchs de timbré. Imagine, ils sont à un mur avec un d'un coup, il en a marre et tout. Non, je déconne. Allez, c'est parti pour Brock Lesnar et Frank Mir, monsieur l'arbitre, qui va démarrer. Et c'est parti. Viens là ma gueule, viens là ma gueule. Oh putain, oh putain. Oup, hop, 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 tu vas te calmer, hey, tu vas te calmer. Dis-moi, tu vas arrêter de me. Hey, tu te prends pour qui? Et tu as dans ta gueule là. Tu vas me rendre fou, toi. D'accord, ok, viens, viens, viens. Putain, mais frappe pas dans le vide, Brock Lesnar là, réfléchis quand tu tapes. Oh putain, hey, il m'a mis violent. Toi, t'es comme ça. Ok, je vais te choper, vas-y, viens. Oh le bâtard, oh le bâtard. Quel enculé ce Frank Mir. Hey, Frank Mir, s'il te plaît, s'il te plaît. Je te ferai des bébés. Non, je te ferai pas de bébés. Aïe, tu fais bobo. Ah putain, il m'a niqué. Stop, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu veux du pain? Tu veux du chaud là? Il y a plus de pain, il y a plus de pain, il y a plus de pain, il y a plus de pain là. Et voilà, j'ai mis tout là. Attention, on y va. Oh oui, oh oui, putain. Oh le bâtard, bien joué. Bien joué, GG. Oh putain, mais pourquoi il met pas de coup de pied dans les airs lui? Mais il est vraiment teubé, Brock Lesnar. Hein. Lesnar, mais frappe fort là, mais. Et putain, mais t'as un pied, tu sais même pas l'utiliser. Oh le bâtard. Oh il m'a endormi le bâtard. Oh putain. Eh hey, mais c'est chaud. Voilà. Attention. Oh putain. Eh hey, il m'a fait un saut plané. Hey, il m'a fait un saut plané le bâtard. Vas-y, 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 Lesnar. Putain, Lesnar là. Putain, mais il est vraiment con ce type. Non mais vas-y. S'il te plaît Frank Mir, laisse-moi, je te donnerai des fleurs. Non, non, pas les soumissions, pas les soumissions, pas les soumissions. Pas les soumissions, pas les soumissions. Pas les soumissions. Why the fuck? Mec! 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 Non, Brock Lesnar, Brock Lesnar! Brock Lesnar! Brock Lesnar! Why the fuck? Brock Lesnar, tu. C'est quoi cette merde? Ta. Déjà, on va se calmer, hein? Oh putain! Oh putain, d'accord. Toi, t'es comme ça, Frank Mir? D'accord, viens, viens, Frank Mir, viens! Viens, 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 ma gueule, viens! Boum! Boum! Voilà, contré, contré, boum! Oh putain, putain, mais c'est chaud! C'est chaud, frère! Attends, vas-y, viens, 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 je vais t'accueillir. Non, putain, Lesnar, Lesnar. Putain, mais, eh, mais c'est chaud. Putain, non, 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 mais mets pas par terre, s'il te plaît, mets mon pied, j'y tiens, mon pied, frère. Non, 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 ma gueule, non, putain, putain, vas-y, Lesnar, Lesnar, casse-toi, 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 Lesnar, casse-toi. Voilà, ouh, putain, ouh, putain, voilà, bouffe mon pied, bouffe mon yeb, j'ai dit. Putain, Lesnar, il s'est pas frappé, en fait. Non, 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 non. Putain, je viens de me refaire carotte, là, frère. Ah, je viens de me refaire carotte. Non, non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. On peut pas retourner? Attends, attends, j'essaye de retourner le truc. Non, 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 ça passe pas. Non, 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 je vois ce que tu veux faire, mais non, 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 je me casse, je me casse, je me casse, casse-toi, casse-toi, non, 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 putain, 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 il va me saouler avec les prises là. Putain, mais il me saoule, il me fait des dingueries lui. Vas-y, mais ça m'énerve là. Vas-y, dégage, 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 mec. Dégage, putain, dégage, 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 putain, ça change de la WWE. Oh putain, et prends-toi ça là! Voilà, tu me saoules là!
Boum! 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 Oh putain! Oh putain! Allez, allez, allez! Allez, la star! Allez, la star! Back souplesse de pote, la star! Allez, vas-y! Oh putain! Oh là, je vais le niquer! Oh, je vais le ken! Chiant! Chiant! Non, oh le bâtard! Ah, ça se voit, il a de l'expérience, lui! Oh putain! Allez, on se casse, on se casse, on se casse, la star! Allez, on est star! Boum! Allez, viens là! Allez, allez, putain, putain, bien joué, bien joué. Oh putain, Lesnar. Oh Lesnar. Putain, c'est chaud là. Putain, Frank Mir, il a rien là, ce bâtard. Putain, il a rien senti quoi. Ouais, ouais. Allez, on se défend, on se défend. Et on se défend, on se défend, on se défend, on bloque, on bloque. Putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud les gars, je lui mets quoi là? Je lui mets quoi? Oh putain! Oh le bâtard, il m'a balayé! Putain, mais attends, je volais ta femme, je vais la voler ta femme! Oui, je vais lui prendre tout son argent, je m'en bats les couilles! Putain! Oh putain, Lesnar, je te préfère à la WWE quand même. Hein. Les Suplex City Beach là, c'est plutôt. Nique-moi, s'il te plaît, City Beach. Hein. Putain, putain, vas-y, pécho le, voilà. Putain, non. Lesnar, Lesnar, Lesnar. Attends, c'est quoi déjà la technique? Je me souviens plus. Oh non, pas ça, je vais perdre. Je vais perdre avec cette connerie. Je vais perdre avec cette connerie là. Je vais perdre. S'il te plaît, Lesnar. S'il te plaît, Lesnar. S'il te plaît, Lesnar. Oh oui. Non, Lesnar. S'il te plaît, Lesnar. S'il te plaît, Lesnar. Non, Lesnar. Lesnar, putain. Putain. Oh non. Vas-y, mais toi. Eh, toi, t'es. Eh, mais t'es. Eh, mais. Il y avait deux mains, on avait mis deux mains, Ah, pour que les stars, tu me déçois là. Putain. Ah, là, c'est pas Suplex City Beach là. Ah non, frère là. C'est plus Suplex City Beach. C'était Suplex City Beach là, en même temps, mais. Putain. Non, mais non. Là, c'est. Oh là là. Là, c'est Frank Mir City Beach, hein, je te le dis. Hein. Frank Mir City Beach. Frank Mir City Beach. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo de lancement sur ce jeu que je vais principaliser sur ma chaîne vous fera bien plaisir. Donnez vraiment moi des conseils au niveau des soumissions parce que je me suis pas vraiment fait frapper. Voilà. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura bien plu. Prenez ma soin de vous à la prochaine. Salut tout le monde. Peace.